Hey, salut les amis, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. De retour pour une vidéo sur Saint Seiya Awakening, vidéo sur laquelle on va parler, je vais vous présenter le tout dernier débarqué sur la version SEA. Il s'agit d'un spectre, il s'agit de Valentine, de la Harpie, chevalier très stylé, hein, très mignon, très bien réalisé encore une fois. Donc voilà, j'ai décidé de vous le présenter, de vous faire la review détaillée. De parler un peu de ses compétences, de ses skills, de vous expliquer son fonctionnement, comment le jouer, et bien sûr, on finira par du test gameplay, comme d'habitude, sur mes vidéos. Avant de commencer, les amis, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de recevoir des notifications dès que je pars en live, ou recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo apparaît sur la chaîne. Sans plus tarder, parlons de la bête, parlons de Valentine, de Valentine, comme on dit plus tôt, qui vient d'arriver sur la version SEA. Pour mon plus grand bonheur, ça fait toujours plaisir de voir arriver un chevalier, surtout sur la SEA qui se faisait un peu, qui s'endormait un peu dernièrement. Je suis très content, hein, de voir que la SEA, reprend un petit peu d'avance, hein, reprend de l'actu avec ce joli spectre, hein, Valentine Harpie, qui vient de débarquer hier, qui est un chevalier qui va être plutôt intéressant. On va en parler. Comment juste pour la petite vidéo que je vous ai présentée, la vidéo opening, on voit Valentine, le petit frère, hein, quelque part, de cœur de Radamantis, qui rejoint son maître et qui a plein de rêves dans les yeux. Enfin, plein de cauchemars. Donc voilà, très jolie, très belle réalisation, encore une fois. On est sur un des spectres de l'armée d'Hadès, d'un spectre assez fort, assez bien coté. On va aller voir un petit peu ses stats. Pour le coup, je vous ai prévu un petit document avec ses stats level 80, parce que le mien n'est pas encore level 80, j'ai pu monter qu'au niveau 70, 70, pardon. C'est un chevalier qui est cash play, qui s'achète uniquement pour l'instant via un événement, en payant des coupons 2 € tous les jours. Il revient 10 €. Donc pour l'obtenir, il faudra débourser la somme de 10 € actuellement sur la version SEA. Nous verrons de quelle manière il va arriver sur la version globale. Mais voilà, il faut savoir qu'il est un peu à l'image de Raimi ou de Zelos. Il est payant pour le moment. Level 80, qu'est-ce que ça donne? On est sur un chevalier qui va avoir de la grosse, grosse, grosse P attaque. En effet, 2934 de P attaque, c'est une note de S. C'est très fort. Ça tape quasiment aussi fort qu'un Radamantis. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne note à noter, à mettre en la faveur de Valentine. Il a aussi une bonne vitesse, hein, 334 pour un personnage de rang A. C'est pas déconnant, hein, c'est un personnage qui va être rapide. Et vous allez voir, il y a tout intérêt à jouer vite, parce qu'il apporte vraiment quelque chose d'important dans les games. Niveau HP, c'est très light, 11 116. Niveau c'est attaque 0, c'est normal, il n'en fait pas, c'est un perso de type physique. Et pour la défense physique et cosmique, on est à 392. Donc vous verrez, c'est un chevalier qui a pas mal de particularités. On va aller voir ça sur les skills juste derrière. Mais voilà, Valentine Harpie est arrivé. Et il va apporter encore sa petite touche dans les guéguerres, dans les batailles de Saint Seiya Awakening. Allons faire un petit tour sur ses liens. Il a un lien avec Pandora, avec Ikki classique, Ikki A et Seiya A. Il a aussi un lien avec d'autres spectres, l'incarnation des démons, Raimi, Mew et Zelos. Donc voilà, si vous avez tous ces chevaliers-là, vous gagnerez un bonus de P attaque allant de 1 à 5% pour la famille des spectres et des HP de 1 à 5% pour les chevaliers ci-dessus, précédemment cités. Allons faire un petit tour sur son huitième sens. Donc voilà, il va avoir un gain de P attaque et de vitesse. Il pourra gagner jusqu'à 1224 en P attaque et plus 22 en vitesse sur la première node. Sur la seconde, on aura des HP et du P critique level, donc du critique supplémentaire et 4900 HP supplémentaires et 225 en P critique. En P critique, vous le verrez, c'est un chevalier qui combat très très bien avec son maître Radamantis, qui apporte beaucoup de crits à la team. Je le trouve plutôt sympatoche, hein. Je suis bien content de l'avoir récupéré. C'est pour ça que je les cache d'ailleurs, je l'ai trouvé fun. Là, on va venir chercher des HP et de la résistance physique et cosmique de mage, hein, classique, plus 2000 HP à récupérer ici, et les 7% habituels, comme sur toutes les nodes quasiment de 8e sens. Et enfin, on a la P attaque et le P critique level encore une fois qui va être renforcé. Donc ça c'est plutôt cool, plutôt sympathique.
Donc voilà pour ce qui est des huitièmes sens de notre ami Valentine. Allons faire un petit tour sur son temple. Hop là, on va aller voir son temple tout de suite. Il doit être dans le temple des spectres, je suppose. Masai Elite. Et voilà, il rejoint bah, les spectres d'élite. Raimi, Minos, Mew, Zelos. Et il n'est pas avec Radamantis. Donc voilà, il est dans le temple des spectres d'élite. C'est pas le pire temple en soi, hein, entre Mew, Minos et Raimi, qui sont des persos quand même très très joués. Je trouve que ça va, ils s'en tirent bien pour ce qui est des temples. Allons faire un petit tour maintenant sur ces cosmos, les amis. Pour les cosmos, on est sur un chevalier qui fait de l'attaque physique. Donc on va venir lui mettre du Fire Drop, du Feu de Cristal ou du Pestone. Feu de Cristal, c'est pas mal parce que c'est un personnage qui manque cruellement de HP. Et vous verrez en découvrant ses skills que les HP vont être peuvent être un problème sur Valentine. Donc, Feu de Cristal, ça va bien. Bien sûr, étant donné que c'est un perso qui critique, on va mettre du Ferveur, du Stunch, version SEA, pour augmenter le taux de critique, et les HP aussi, encore une fois. Et enfin, pour le Cosmos Jaune, Ténacité, ça peut le faire, ça peut être très bien, parce qu'on va gagner encore un complément de HP. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel Valentine va pêcher très très vite, dès qu'il va commencer à attaquer. Pour le Cosmos Légendaire, Kingfisher, c'est très bien, avec les 70% de chance de faire du True Damage, ça peut le faire. J'étais aussi en test sur un second cosmos avec Daffodil, étant donné que sa vie va diminuer au fur et à mesure qu'il va attaquer. Il faudrait voir si Daffodil ne peut pas être adapté aussi au personnage, parce que ses HP vont tomber quasiment à zéro. Et Daffodil, moins t'as d'HP, et plus tu tapes fort. Après voilà, ses HP, il va les perdre de manière spéciale. Donc voilà, Kingfisher ou Daffodil, mais je dirais Kingfisher en valeur sûre. Et Daffodil sous réserve à tester. Sans plus tarder, on va passer au plus important, on va passer au vif du sujet. Ce que vous attendez tous, les skills. C'est parti les amis, go pour expliquer ces skills. Et on commence avec le skill 1, la tempête furieuse. Donc voilà, c'est une attaque blanche classique hein, qui va infliger entre 100 et 120% de physique damage. 100 au level 1 bien sûr et 120 au level 5. Et il va réduire la critique résistance de 20, niveau 1, à 100 points, niveau 5. Donc attaque blanche, mais avec une réduction de critique résistance. Donc ça, c'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Passons maintenant sur le skill numéro 2, l'explosion d'enfer. Alors là, les amis, c'est le skill principal de Valentine. C'est un skill qui coûte 1 cristal. Il va attaquer 2 fois. Chaque attaque va faire entre 30% level 1 et 45% de dégâts level 5 à la cible. Et pour chaque attaque critique, il fera une attaque additionnelle. Et il pourra faire entre 5 attaques au level 1 et 13 attaques au level 5. Donc là, clairement, vous pouvez le voir, il y a un gros palier à venir chercher. Le skill 2, dans l'idée, il faudra le monter au niveau 5 pour qu'il puisse faire les 13 attaques. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de présentation, s'il crit, il balance une attaque supplémentaire. Et là, pour le coup, bah, il fait les 13 attaques. Ça bombarde. Et ça fait du crit. Donc je vous laisse imaginer avec une association avec son maître Radamantis. Une attaque qui coûte 1, qui peut taper 13 fois et qui crit. Voilà, Radamant a son binôme, c'est officiel. Sans plus tarder, passons au skill numéro 3. Sans plus tarder, voici le skill numéro 3. Offrande de Harpie. Donc comme vous pouvez le voir, à la mort du chevalier, il y a un petit côté Aiolo Cersei. Il y a deux Harpies qui vont apparaître. Quand Valentine est blessé mortellement, il invoque deux harpies qui attaquent l'ennemi le plus lent. Donc voilà, ça va cibler l'ennemi le plus lent en face. Et à noter aussi que pour chaque chevalier tué, une harpie additionnelle sera invoquée. Donc si vous avez tué un ou deux chevaliers avec votre ami Valentine, vous pouvez gagner 1, 2, 3, 4, 5 autant d'harpies que de chevaliers vaincus. En plus, les harpies attaquent de manière aléatoire les autres cibles. Et chaque harpie fera entre 130% au level 1 et 200% au level 4. C'est 200, pas 2000. Hein. Petite erreur de frappe. D'attaque physique, de physique damage. Et petite chose aussi à noter, petite chose sympathique. Bon, c'est pas ça qui fera pencher la game, mais c'est bon à prendre. Il y aura 40% au niveau 1 et 80% au niveau 4 de dégâts qui seront convertis en PV pour les alliés, pour ton allié avec le moins de vie.
et ça augmentera de manière permanente le physique critique, l'attaque physique, level de 300 pour tous les alliés. Donc dès qu'il meurt, il fait un beau cadeau. Il te file 40 à 80% des dégâts infligés par l'attaque finale et il va te donner 300 points de critique physique, level. Ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que c'est un passif qui fait zizir. Mais là où les choses se compliquent, ça va être avec le skill 4 qu'on va aller voir tout de suite, les amis. Et c'est parti pour le skill 4 qui s'appelle vol de vitesse. Alors écoutez bien, pour chaque critique effectuée par Valentine, il va réduire de manière permanente sa vie max de 10%. Chaque coup critique lui fait perdre 10% de PV. Et ça va augmenter son crit effet de 3% au level 1 à 9% au level 5. Donc en gros, plus il va crit, plus il va augmenter son crit effect, donc plus il y aura de chances qu'il crit derrière. Par contre, il perdra 10% de PV à chaque attaque critique. Et ça, c'est assez spécial, c'est assez contraignant. Et ça va nous obliger du coup à jouer Valentine dans des compos spécifiques, notamment avec Shun GC, pour venir compenser ce manque de PV. Parce que s'il n'a plus de PV, il n'y a que Shun GC qui va pouvoir lui assurer une durabilité dans la game. Donc 3% de crit effect augmenté au niveau 1, 9% au niveau 5, et son crit level passera de 40 points, passera à 40, plus 40 au niveau 1, à plus 100 au niveau 5. Donc là, clairement, il y a aussi un palier à venir chercher. Cette attaque-là, ce skill-là, ce passif-là, il va falloir le faire passer de préférence au niveau 5 pour bénéficier du crit effet de 9%, qui est énorme, et aussi du crit level de plus 100 points. Donc si on fait un petit récapitulatif du skill up, ça ferait pour moi, pour faire les choses bien, 1, 5, 1, 5. Et là, vous avez un Valentine très, très jouable, très intéressant, je pense. Donc voilà pour ce passif. En image, in-game, ça donne ça. Donc une fois que votre Valentine a fait ses 10 attaques critiques, il a perdu donc 10 fois 10, 100% de ses PV. Et là, c'est un Valentine qui a crit 10 fois, qui avait à la base 47 000 de PV, et qui a moins 47 000. Il avait 47 000 25, il a moins 47 000 24, donc il lui reste que 1 PV. Donc voilà, c'est à double tranchant, ce passif-là. Ça va vraiment empêcher de jouer Valentine dans n'importe quelle composition. Pour moi, ce passif-là veut dire que Shun GC est obligatoire si on veut jouer Valentine dans de bonnes conditions. Voilà pour les skills. Donc en résumé, 1, 5, 1, 5. Et vous avez un bon petit Valentine, je pense. Petit retour rapide sur ses stats après avoir expliqué ses skills. Comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez compris maintenant, Valentine est un perso qui fait énormément de critiques. Il a P critique level à 1938, c'est un des personnages qui crit le plus du jeu. Il a P critique effect de plus 51% également au niveau 80. Donc Valentine sera le meilleur allié de Radamantis, ça c'est sûr, pour faire proc ses ailes ardentes. Et je vous propose d'aller tester tout de suite en sacré duel pour mieux comprendre ses mécanismes et pour finir en beauté. C'est parti les amis, go! Allez, c'est parti pour le test in-game, pour le test en PvP. Moi, personnellement, ce perso me hype pas mal. Après avoir découvert le personnage, son gameplay et avoir compris maintenant comment il se joue, j'ai qu'une envie, c'est de le tester avec vous en PvP et voir comment ça va comboter avec Radamantis, Aphrodite RC, Shun GC et compagnie. Donc on va mettre le double tour sur notre ami Valentine. Et vous allez voir les dégâts infligés par son explosion d'enfer. C'est plutôt ouf. Ah, bah là malheureusement on n'a pas beaucoup crit. Parce qu'en effet, Hypnose a une résistance aux attaques critiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh, plutôt pas mal. Regardez ce qu'on a fait à Hypnose. Hein. Double tour. Et le Hypnose qui surend. C'est pas beau ça. Et pour la peine, vous avez le droit à un second match pour encore plus découvrir notre Valentine, la star du jour. Ce perso qui est plutôt fort sympa, j'ai envie de dire. Mais là, avec la prêtresse noire
Ça va pas être drôle. Ça va pas être drôle cette histoire. Je crois que c'est la team freeze en face. On va voir ce qu'on peut faire, s'il nous laisse le temps de nous mettre en place ou pas. À suivre. C'est un bon test en tout cas pour tester le Valentine. Hein. Un hypnose, c'est toujours un bon test. Il a marqué bien sûr mon Shun GC pour bloquer ses passifs. Pour pas qu'il puisse maintenir mon Valentine en vie. On va balancer le skill 2 directement à l'explosion d'enfer sur Hypnose. On va essayer de s'en débarrasser. C'est parti, critique, 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 critique. Il n'a pas fait ses 13 attaques, mais il a quand même fait proc 2 ailes ardentes pour Adamant. Donc c'est quand même pas mal. On voit le potentiel de la bête. Donc Shun GC s'impose obligatoirement pour permettre à Valentine de survivre. Parce que là, déjà, en faisant 4 coups critiques, j'ai perdu 9400 PV. Donc voilà, ça va très très vite. Il faut prendre garde. Et là, le Hypnose qui m'a mis au mal. Heureusement que j'ai un Époque dans la team pour atténuer un petit peu les dégâts. Radamantis, avec ses deux ailes ouvertes, ses deux petites ailes ardentes, va commencer à faire du dégât. Radamant et Valentine, c'est un super bon duo. Sans parler de Aphrodite RC. Ces trois-là, ils font la paire. Je vous le dis, ça sera une des compos que vous allez pouvoir voir en PVP dans le futur. Et puis dites-vous aussi que Valentine sera joué en PVE. Hein. Vous allez pouvoir jouer en épreuve d'Athéna, pour les boucles de chevaliers, pour la story, pour les temples d'Hadès, pour les temples, les donjons de Légion. C'est un perso qui va rendre Adamantis plus fort. Donc il va très très vite avoir trouvé sa place dans la méta. Donc là, ça devrait one shot, je pense, le Hypnose. Parce que ça fait quand même pas mal de dégâts. Pour un cristal seulement. C'est une attaque que je trouve très intéressante. Regardez. Regardez-moi ça. Et là, ça y est, il a fait ses 10 coups critiques. Et du coup, il ne doit plus avoir de PV. Et oui, il a 0 de PV. Donc à la moindre attaque, je ne serai plus de ce monde. On va se donner encore un petit tour avec Valentine. Et derrière, on le laissera mourir tranquillement. Et on finira le boulot avec Radamantis. Tac. Et ça survit de justesse, mais on survit. Encore heureux. Allez, Aphrodite, fais-toi plaisir. Débarrasse-nous de la prêtresse. Qu'on soit tranquille, et voilà. Ça, prochain tour, on pourra reprendre un rythme normal. Allez, on va faire un double tour sur Valentine. Pour pouvoir tenter son attaque. Aïe. Là, j'ai tout intérêt à me débarrasser, soit de Yoga, soit d'Aiolia. J'ai envie de dire qu'Aiolia serait peut-être un meilleur coup à faire. Mais bon, j'ai peur de ne pas réussir à le one shot. Allez, on tente, on fait confiance à Valentine. Allez, à Valentine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais il est énorme! What the fuck? C'est énorme! Et voilà, et là, il n'a pas plus de protection. Donc, les harpies qui proc. Et étant donné que j'ai tué deux chevaliers, bah, vous avez vu, il y a eu quatre harpies. À la base, le skill garantit deux harpies. Et là, on a pu en avoir quatre grâce au fait qu'on ait tué deux adversaires. Donc là, elle a clairement fait le boulot à notre ami Valentine. À lui tout seul, il a tué Hypnose et Aiolia. Il a mis à mal cette Team Freeze, hein, qui est pas encore morte, mais qui risque d'avoir du mal à se mettre en place dorénavant. Donc on va clean. On va purifier le Radamante. Il faut vite que Radamante nous débarrasse de Orphée. Mais bon, ça devrait le faire, j'espère. Allez, Radamanti, c'est pour toi. Ton disciple, Valentine, t'a mâché le boulot. À toi de finir, mon pote. Et c'est parti, et Radamante en sacré duel, c'est la violence. Et voilà, c'est une belle victoire. Et on a pu voir le plein potentiel de notre ami Valentine. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Fort ou pas? Moi, perso, je le trouve super pété. En toute honnêteté, hein, s'il n'y avait pas cette histoire de PV, Valentine, ça serait facile à S. Il a la puissance d'un S, en tout cas. Le S en attaque physique, on a pu le voir, hein, ça one-shot des Hypnos, ça one-shot des Aiolia. Il est vraiment très fort. Qu'est-ce que vous pensez du personnage, les amis? J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Je trouve que, sincèrement, c'est un très bon A. C'est un perso qui se cache, donc ça, c'est le mauvais point de la chose. Il coûte 10 € sur la SEA.
J'espère qu'il ne coûtera pas 50 euros sur l'agglo. Parce que pour l'obtenir, on a dû passer par ceci, par l'événement Valentine dans le carnaval, où il fallait acheter 5 fois un petit pack à 2 euros. Il m'est revenu à 9,95 $. Donc voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle, le mauvais point, on va dire, à dire sur son arrivée dans le jeu. Hormis ça, super perso, très fort, très 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 synergique avec Radamantis. J'en suis content. Sur la glo, dès qu'il sort, bien sûr que je vais le pull. S'il faut le cash, je l'achèterai. Si c'est raisonnable, hein, s'ils nous font 5 fois 10 euros, 50 euros, je réfléchirai quand même. Mais voilà, c'est un bon perso. Je l'avais déjà repéré sur la chinoise. Hein, j'avais vu plusieurs vidéos de gameplay du perso sur la chinoise. J'en étais content. Et ben, il confirme tout le bien que je pense de lui. Donc, Valentine, bienvenue dans ma team sur la SEA. Et je t'attends avec impatience sur la globale. Voilà, les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, pensez à lâcher un max de pouces bleus pour m'encourager, pour soutenir la chaîne. Pensez à partager la vidéo aussi à vos amis qui seraient intéressés par ce nouveau personnage. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. À me follow sur Twitter, Facebook et Discord. Je balance énormément de news sur Twitter avant même que je fasse les vidéos. Donc n'hésitez pas à follow en masse sur Twitter, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était Pharaon. Ciao!